Sherlock, psh, pas les griffes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale Bullet Journal qui va se diviser en deux parties puisque j'ai terminé mon Bullet Journal que j'avais commencé en décembre 2019. Je suis arrivée complètement au bout, je n'ai plus de pages dedans. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais voir avec vous comment se lancer dans un nouveau bullet journal, enfin, ou en tout cas comment moi je l'organise, quelles sont les pages que j'utilise. Et ensuite je vais tout simplement planifier mon mois de novembre. Tu chasses Sherlock ? Donc je quitte avec regret ce très joli carnet que j'adorais, les pages étaient vraiment superbes, mais ce n'est absolument pas grave car j'ai absolument le même de la même marque, enfin une autre couleur, etc. Mais donc vous pouvez voir, c'est censé être le même carnet, mais au niveau de l'épaisseur du carnet terminé, voilà, c'est parce que je fais beaucoup de collage et je rajoute beaucoup de choses à l'intérieur. Mais bref, je vous retrouve avec la caméra au-dessus. On va commencer donc avec la première partie. J'ai le mot anglais qui arrive, j'ai pas le mot français. Le setup d'un nouveau bullet journal et ensuite le setup de novembre. Donc il y aura des time codes normalement dans la barre, donc n'hésitez pas à passer l'une ou l'autre si vous le souhaitez. A tout de suite. Thank you.
que cette première partie vous a plu. Je vous prends quelques secondes avec moi parce que j'ai envie de tourner ça un peu en mode vlog aussi. Il faut savoir que cette première partie m'a pris à peu près 4 siècles. C'est-à-dire que toute la matinée j'ai fait ça, j'ai écrit mes petits chiffres, etc. Et ça prend énormément de temps. Et voilà, donc je me suis fait une petite pause manger. Je me suis fait des pâtes, voilà, pour ceux et celles que ça intéresse. Je vais me faire un café. Parce que le mois de novembre sera tourné autour du café. En fait, j'ai eu l'idée lorsque je faisais mon plan with me de octobre, où bah, j'ai malencontreusement renversé ma tasse de café sur mon bullet journal. Et au départ, j'étais très frustrée. Mais après, je me suis dit, ah, mais ça fait sympa et tout, donc machin. Et donc, je me suis dit, eh ben écoute, pour le mois de novembre, tu feras ton thème autour du café. Donc, bah, je me fais un café pour le boire, et un autre, je vais faire un truc genre du jus de chaussette pas bon, pour dessiner sur les pages avec du café. Voilà, on se retrouve tout de suite.